Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour, bienvenue dans le feu de l'action. Aujourd'hui, on est mercredi le 20 mai 2020. OK, c'est tout un marché là, compliqué là, ce matin, là, parce que en dehors de Facebook et Intel, là, c'est pas évident. Regardez, je vais vous montrer le marché. OK, bon, attends un peu, j'aurais dû mettre ça partout, pareil, là, au modèle, tiens. Donc, c'est trop, on va mettre ça plutôt en 2 minutes au modèle. Tiens, voyons. Bon, regardez, hier, le marché, en fin de journée, bang, on repère tout. Ce matin, à l'ouverture, on gagne tout. Bon, c'est ça le marché là, de ce temps-ci. Là, on est en plafonnement, on a l'air à vouloir revenir à la baisse. Là. C'est vraiment compliqué parce que c'est pas un million d'affaires qui montent, là. C'est juste les gros titres du secteur qui font ça. Regardez, je vais vous mettre ça en 2 minutes ici aussi, là. Sur la plupart des stocks les gros stocks de Nasdaq. Là, regardez, là, c'est qui drive le marché ce matin? Là, c'est Intel, c'est Facebook, c'est Apple jusqu'à un certain point parce qu'il est revenu sur son top, mais c'est le seul. Les autres, il n'y a pas personne qui traverse son top. Il y en a même, AOL est en correction. Netflix est en chute, il est même négatif. Tesla, il est bloqué là et tout. Donc, on a étiré l'élastique au max. Là. C'est Intel, Facebook, les autres aussi, parce qu'ils ont tous rebondi ce matin pour annuler la cote d'hier. C'est peut-être, même Tesla annulait sa cote d'hier, mais il est retourné à la baisse. Donc, c'est vraiment, vraiment compliqué là, ce matin. C'est vrai qu'on est sur le bord d'un bull market. Regarde, sur Nasdaq, là, c'est le marché de Nasdaq qui a tout drivé. Parce que, regarde, le marché du Dow Jones reste toujours dans sa formation neutre. On n'est pas encore traversé. C'est vrai qu'on est sur le bord. On est sur le bord. Mais moi, je ne lancerai pas le go tant qu'on n'aura pas traversé cette résistance-là de manière certaine, OK? Et puis, regardez aujourd'hui encore, le marché du SPY traverse là, très, très, très légèrement. Mais regardez son volume pour la journée. On est à 8 millions. On a une moyenne de 70 millions, OK? On a 10 %
du volume sur le SPY ce matin sur cette hausse-là. Fait que comment croire à quelque chose comme ça? Le TSX remonte aussi, mais encore au-dessus de sa résistance. Donc, le seul marché qui est vraiment haussier, c'est le marché de Nasdaq. Puis c'est à cause de ces gros géants-là qui sont achetés par les institutions et non pas le marché, lui, au complet, parce que c'est pas ce qu'on voit. Moi, j'ai fait le tour des secteurs, OK? Du côté de l'énergie, là, on a USO qui était en hausse ce matin, puis que là, ben, depuis sa hausse qui redescend, on a le gaz qui, lui, est en baisse, les titres qui semblaient pointer vers un nouveau cycle haussier. OK? Bon, mais j'ai fait le tour de ça, puis je les ai trouvés, les stocks qui montaient, mais qui ne montent plus, là, OK? Ceux qui ont traversé leur résistance, là, c'était TOG, puis là, il a arrêté de monter. C'était CPG, puis là, il a recommencé à descendre. C'était OVV à Toronto, qui est là, qui a passé sa résistance de très peu, là. Parce que si on met ça en 5 minutes, là, vous allez voir les autres journées, là, on a passé la résistance de 15 cents, là. Ben, peut-être 53, 20 cents max, là, OK? Et puis, il y a aussi PXT qui est en train d'arrêter. Il y a VET qui est arrêté, qui a traversé sa résistance aussi. Il y a VII qui est arrêté aussi. Il y a ERF qui est arrêté aussi, qui a traversé sa résistance. Il y a WCP qui est traversé sa résistance, qui est arrêté aussi. Donc, tous ces stocks-là, là, c'est sur un nouveau haut qu'on aurait un nouveau cycle haussier. Puis là, dans les autres, les grosses, là, ils n'ont pas traversé leur résistance. CVE... SU, regarde, SU est encore bien en dessous de sa résistance, puis CNQ, bien en dessous de sa résistance. Donc, c'est pas les gros canons, c'est les petites compagnies qui ont été achetées ce matin, qui ont fait un petit mouvement, mais qui continuent pas pour le moment. Donc, là, sous toute réserve, là, regardez, attends un peu, le gaz est en chute là, dans le moment, tiens, je vais mettre un graphique en une minute, là, pour montrer que... Regarde, HNU est en chute libre. Le pétrole, il avait fait un nouveau haut ce matin. Maintenant, il est en baissier. Ben, pas baissier, mais en tendance baissière pour sa journée depuis son décollage. Puis TTEN, lui, est bloqué là. Donc, il nous reste encore une preuve à faire. Puis ça, c'est le seul secteur qui a apparence d'un cycle haussier. OK? Le seul. Quand je vous dis, c'est le seul. OK? Donc, puis encore là, c'est pas clair, loin d'être clair à 100%. Donc, si vous regardez le secteur, je vous ai montré c'était qui? C'était le groupe de ces stocks-là ici que j'ai placé en haut de ma liste, qui était TOG, CPG, OVV, PHT, VET, VII, ERF, Whitecap, puis Enseigne. Bon, c'est pas les directeurs. CVE, Suncor, puis CNQ, eux autres, ils sont pas en tant que ça en ascension. Donc, le secteur n'est pas officiellement décollé. Du côté de l'or, on plafonne, on est sur le bord d'un vrai décollage de l'or, mais c'est pas fait encore, il manque une solide poussée. Regardez, les titres, eux autres, sont en correction aujourd'hui. Les minières, c'est les compagnies américaines qui drivent ça, puis les plus petites minières aussi, parce que Teck, là, regarde, il s'est essayé ce matin, puis regarde, ça continue pas. FM, il est bloqué à sa résistance aussi, toujours à l'intérieur de sa tendance baissière, pas en cycle haussier pantoute. LIF, il a complètement viré de bord, donc c'est juste des compagnies américaines qui donnent un petit coup à la hausse, là. Là, ils se vantent aux États-Unis que, regarde, ça augmente pas, là, on est déconfinés, ça augmente pas. Hey, ça fait 3 jours, là, regarde, on va se calmer le pompon, là. Regarde, la consommation discrétionnaire est pas passée haussière encore, à peine des petites hausses au cours des 2 derniers jours. Les télécoms, ça fait rien pantoute. Les services financiers, on a un petit cycle haussier à l'intérieur de la tendance haussière. Vous l'achetez des banques, l'objectif, c'est là. OK? Mais si jamais on chutait en bas, il y aurait un point de vente. Mais donc, on a une possibilité d'un petit cycle haussier à l'intérieur d'une formation neutre pour les banques. Du côté des industriels, on est encore en dessous de la résistance. Il y a CP qui, lui, a passé tout seul ce matin avec un très petit volume. CN n'est pas passé, puis la majorité des autres non plus. Regarde, le real estate, ça fait rien.
Les services aux collectivités, ça fait rien non plus. La santé, on a reviré de bord à partir de la résistance. Je l'avais dit hier, c'était toujours du day trading. Les résistances n'étaient pas inversées. Puis ceux qui le font, là, c'est très, 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 très peu. C'est juste VHF aujourd'hui qui continue. La consommation de base ne fait rien. Puis la technologie, elle, bon, revient proche de sa résistance, mais sans vraiment décoller. Puis c'est pareil sur le côté américain. Donc, on est sur le bord peut-être d'un nouveau bull market, mais le marché n'a pas eu les informations qu'il attendait. C'est pas encore décollé et on n'a pas encore de cycle haussier nulle part dans aucun secteur, excepté le secteur pétrolier, qui là vient de s'arrêter là. Ça fait que ça nous prend encore un nouveau haut là-dessus. Dave, justement, demande Suncor. Bon, mais regardez Suncor. Là. Les stocks qui ont décollé, c'est ceux-là que je vous ai montrés. Regarde, tous ceux qui ont passé la tête un peu au-dessus de leur résistance, là, Whitecap et compagnie. Mais regardez CVE, il est toujours bloqué là, OK, à la même hauteur qu'hier. Puis après, il y a Suncor qui est un peu plus haut, mais qui est toujours en dessous de sa petite résistance. Donc, il n'y a pas d'autre chose à faire que du day trading s'il redécolle. Puis ça, c'est jusqu'à 26,5. Donc, il y aura une pièce encore. Puis il y a CNQ qui n'est pas passé non plus, qui là, il plafonne aujourd'hui à un rythme moins haut qu'hier encore. Fait que, puis pour ce qui est de la plupart des autres, il n'y a rien là. C'est pas encore décollé. Puis c'est le seul secteur qui est au bord. Well, B-V-E-L-L. Bon, Well, il est en correction aujourd'hui, OK? Donc, c'est pas le temps de l'acheter. Regardez-le dans un graphique de 15 minutes. Vous allez voir vraiment où est-ce qui est le point d'entrée. C'est juste au-dessus de cette formation-là. C'est 3,25, comme on peut le constater ici, OK? 3,25, le point d'entrée pour Well. HMMJ, point d'entrée, pas tout de suite. Parce que, regardez ce qui s'est passé hier. Là, j'ai encore toutes mes analyses qui sont là. Regardez, là, la résistance est là. Bon, bien, c'est passé ce point-là. Parce que, regardez, la tendance est ici. Ça, c'est le mouvement neutre. Puis c'est assez clair. Là. 1, 2, 3. Donc, hier, moi, j'ai dit ça va s'arrêter là. Puis quand ça s'est arrêté là, parce que c'est une triple résistance. Donc, c'est un nouveau haut sur HMMJ qui serait potentiellement intéressant. Voyez le volume, comment il est faible aujourd'hui. Donc, ça montre qu'il n'y a pas de pression à la baisse, que ça pourrait décoller au cours des prochains jours. Donc, ils sont tous arrêtés comme ça. Regardez l'autre ETF ici, qui est MJ. Ici, il est stable. Puis, Tilray, regardez, complètement stable. Il y a Weed, qui, après avoir atteint sa résistance hier, aujourd'hui, est en correction, totalement suracheté. Ensuite, il y a, ben là, c'est Weed américain, il fait pareil. Aurora, qui avait fait une grosse poussée, ben pour l'instant, il est parti de 20$ à 12$. Regarde, là, dans 19,70 à 13,7, là, qui est rendu dans le moment. Donc, c'est loin d'être un achat. Afria, il bouge pas. Puis Kronos, il bouge pas. Donc, c'est pas encore inversé la tendance. À peine y a-t-il quelques mouvements de celui de VFF aujourd'hui qui semble avoir donné le coup qu'il avait à donner pour l'instant. Donc là, il n'y a pas de point d'entrée, même pas en intra-séance seulement à partir de 5,90. Parce qu'il est arrêté là, là. C'est clair. VFF 5,58, il vaut 5,75, Giuseppe. Ben, à partir de quel moment devrais-je prendre un profit? Ben, à partir de maintenant? Puisque, regardez, vous êtes à 5,58, là, qui est ici. Puis le titre, il vaut 5,77. Donc, vous faites 20 cents, ce qui n'est pas grand-chose. 50 cents serait 10 %, donc vous faites du 3-4 % pour l'instant. Mais le problème, c'est que aussitôt qu'il fait une correction, vous n'êtes plus à profit, puis après ça, vous êtes en baisse. Donc, moi, je sécuriserais la position, je mettrais un stop à 5,65, même si ce n'est pas beaucoup. C'est mieux qu'une claque sur la gueule. NEE à Vancouver. NEE. Ça, je ne sais pas c'est quoi. Ah, oh, c'est à New York, c'est un peu. On va aller ici. NEE. Oh là là. OK, bon.
Regarde, quand vous regardez, regarde, même en 15 minutes, là, ce graphique-là, il a l'air vraiment fou. Ça ne se trade pas, OK? On ne peut pas day-trader ça. On peut juste acheter ça en swing trading. Puis là, ben, regarde, il est bloqué à 30 cents. Il y a un 10 % jusqu'à 34. C'est probablement le mieux qu'on peut espérer là-dedans. Un stock qui ne fait pas beaucoup de volume, qui n'a pas beaucoup d'intérêt. Je trouve que ce n'est pas quelque chose de super intéressant, ce stock-là de NNEE. Au départ, regarde, là, il fait juste quelques trades par jour. C'est vraiment pas grand-chose. GE, le point d'entrée. Bon, là, regarde, c'est une grosse tendance baissière. GE, qu'elle a déjà mal avant, parce que quand on le regarde sur un long terme, là, il y avait eu une petite poussée dernièrement avant la drop du coronavirus. Ça fait que là, vous voyez, là, le revirement est juste au-dessus de 6,5 $, là. Dans ce coin-là, c'est à 6,5 $, OK? Parce que là, il est bloqué là, là c'est sa résistance d'il y a 2 jours, 3 jours. Et puis donc, le point d'entrée sur GE, ce serait 6,55 $. CUF.UN, un achat. Ça, c'est un grand classique. .UN, il y a beaucoup de monde qui pose toujours la question là-dessus. Donc, Conimar, vous voyez, là, il faisait il est dans une phase neutre complètement au plus bas. Il n'y a pas 100 millions de stocks qui sont sur le plus bas de la dépression, mais lui, c'en est un. Donc là, il n'y a pas de signal d'achat là-dessus avant vraiment qu'il passe bien comme il faut les 7,75 $. Puis ça, c'est jusqu'à 8,10 $ en premier, qui est sa première résistance ici. Puis après ça, ce serait la deuxième qui est à 9,10 $. Clovis, on n'a pas vu Clovis aujourd'hui dans nos stocks. On va aller voir pour voir qu'est-ce qu'il fait. C'est LVS. Clovis. Bon, là, il a rejoint un support. Il a été en chute dans les derniers jours. C'est pour ça qu'on ne l'avait pas dans nos day trades ce matin. Puis il n'y a vraiment rien en termes d'inversement, à moins qu'il passe les 7 et qu'il passe à 7,85 $ avec un potentiel jusqu'à 10 $ environ, qui est à peu près là, là. Mais sa tendance n'est vraiment pas encore inversée. Là, ce qui est le risque, c'est qu'il vienne chuter en dessous de son support. Donc là, maintenant, si on va le voir en 2 minutes, on voit que sa tendance est là, sa résistance est ici. Donc, il faudrait qu'il vienne se stabiliser à 7,70 $ puis qu'il décolle à 7,85 $, qui est bon point. CRNC sur Nasdaq. Ah oui, c'est Seren, ça. C'est un des seuls stocks que j'ai montré cette semaine qui se disait, bon, oui, écoute, il est quand même vraiment beau. On pourrait y aller avec un swing trading, mais ça fait déjà quelques jours de ça. Aujourd'hui, il donne sa grosse shot, là. Donc, là, il est stabilisé, mais comme point d'entrée. Il est parti en feu, mais comme point d'entrée, comprenez que, regardez ça, dans un... Là, je vais être obligé d'aller chercher un 30 minutes pour ça, là. Mais, regarde, c'est un stock qui a déjà... Ouf. Regarde, première tendance, deuxième tendance, troisième tendance. Là. Fait que c'est vraiment l'élastique est vraiment étiré, même s'il a l'air extraordinaire là, aujourd'hui. C'est un stock qui est parti de 20 $. Puis là, ben, il en vaut 32 $. Là. C'est dans sa même lancée. Fait que là, on devient super fragile, sujet à correction sur le stock. Fait que moi, je dirais, à partir de ce moment ici, en swing trading, je le trouve très risqué. En swing trading, bon, ben, il y aurait 31,75 $ à on sait pas où, là, pour 1 $, là, mettons. Achat IA DII à 3,29 $ DII. Pourquoi j'ai pas ça, DII? C'est drôle, ça me dit quelque chose. Il me semble qu'il manque une lettre dans votre symbole, là. DII. Le symbole ne marche pas. Le note login, achat IA, DII à 3,29 $, là, DII, ça ne correspond pas à rien pour moi. Je sais que ça ressemble à quelque chose, mais ça ne doit pas être le symbole. Mastercard, ici, c'est le temps pour Mastercard, MA.
Bon, il est avancé pas mal dans son cycle. Hein. Il est quand même parti de 2,62. Il fait partie des rares stocks qui ont traversé leur résistance sur le marché de New York. Il est juste tellement avancé, je trouve ça compliqué rentrer dans un signal qui monte depuis 1, 2, 3, 4, 5 jours. 1, 2, 3, 4, 5 jours. Il est parti de 265, il est à 300. Il y a encore, on voit qu'il y a encore du potentiel, mais ce qui est plate, c'est quand c'est pas un stock idéal pour le day trading. Puis en swing trading, il est tellement déjà avancé, je trouve ça vraiment compliqué. Je vous avoue que je vois pas là, de point d'entrée qui serait un peu sécuritaire. Bébé est en hausse, son potentiel 8$, je vais vous dire ça tout de suite parce que le bébé, il est déjà dans le graphique quand je l'ouvre, il est ici. Ça va pas long, j'ai manqué ma petite flèche cette, là. Bon. OK, bon, il y a l'air beau aujourd'hui, on va regarder sur plus long terme. Ah, OK. Attention. Regardez là, ça c'est son importante résistance. Donc il vient de monter là, il faut qu'il se stabilise ici. Il n'y a pas d'autre choix. Donc, vous comprenez là, que, regarde, 6,63, 6,65, c'est sa résistance, right? Donc, là, je vais le ramener en une minute. On sait que c'est 6,65, right? Là, il est à 6,63 en ascension depuis ce matin. Mais regardez bien ce que je vous dis, là. Avant 6,65, là, il va faire au moins une formation neutre comme celle-ci ou comme celle-là, OK? Ici, là, il va faire ça là, à cette hauteur-là. Parce que c'est ça sa résistance. Puis lorsqu'il passera ça, parce que je le ramène en 30 secondes pour que vous le voyez bien, parce que sa résistance est là. Donc, 9,5, 9,7 fois sur 10, là, les stocks, ils arrêtent à une résistance importante comme ça. C'est normal, parce que c'est là que les acheteurs ont arrêté d'acheter. Donc, il faut qu'ils s'en aillent de côté, ici, puis pendant un petit bout de temps, là, combien de temps? Je sais pas, là, une heure, whatever, une demi-heure. Puis après ça, ça nous prend un nouveau décollage au-dessus de 5,65, donc c'est au moins 5,70. Mais regardez bien ce que je vous dis, il ne touchera pas à ça avant d'avoir fait sa... On va regarder avec un 5 minutes, on le verrait mieux. Là, on ne voit même pas encore le dessin du mouvement de côté, là, mais il va arriver. De toute façon, il n'est pas en feu là, dans le moment. Là, il est monté de 6,28 à 6,63, de 6,7%, ce qui est normal, mais sa résistance est là. Là, maintenant, un petit coup d'œil dans son graphique quotidien. Donc, en même temps, vous voyez, c'est sa résistance. Donc, c'est sa résistance... Des derniers jours. Donc, c'est vraiment là, après une stabilité sur un nouveau haut. CAS, point d'entrée. Bon, les forestières sont effoirées en bas de la dépression. Là. Donc, ça, c'est l'indice. Par contre, Wood est un petit peu en hausse. Cascade est plus fort que les autres, mais il revire de bord aujourd'hui. Il y a eu un faux signal dernièrement, là. Pratiquement un autre ici. Puis là, il est vraiment dans une formation neutre. Donc, pour l'instant, sur Cascade, je ne vois pas de point d'achat là-dessus avant qu'il vienne retraverser cette importante formation-là. Il y a Interfor, lui, qui est plus prêt, là. Il est ici à sa résistance. Ce serait 9,85 sur Interfor. Canfor, ça va être la même chose. Il y a le même pattern. Ce serait 7,75. Puis il y a Canfor, qui est sur le bord d'un nouveau décollage, mais ça prend vraiment un nouveau haut à 10,5. Puis WFT, la même chose, un nouveau haut à 40,90. Puis le WEF, il est en dessous de sa résistance. Donc, on est sur le bord, il semblerait d'un mouvement, là, comme on l'est dans les mines, mais c'est pas encore vraiment clair. Ah, c'est DII.B, il me semblait qu'il y avait quelque chose aussi. DII.B. Mais là, j'ai pas le reste de votre question, par contre. Parce que moi, quand je pèse dessus, puis après, je passe à la suivante, elle s'efface automatiquement. Donc, le titre était en élan haussier hier. Puis ça va être assez évident dans un graphique en jour. Donc, il a décollé hier vers les 10h30. Puis aujourd'hui, bien, il est encore en hausse. Fait qu'il est déjà un petit peu avancé, là. Donc, le problème, c'est que où est-ce qu'on installe le point de sortie? C'est de l'ameublement, ça, Dorel.
C'est un des rares titres à inverser sa tendance baissière, mais c'est un titre qui avait eu aussi beaucoup de misère. Fait que c'est un petit peu tough. J'aime pas ma main ça pour faire entrer la deuxième journée. Ça fait que je dirais, sous toute réserve, là, regardez le mouvement actuel, là, seulement sur un nouveau haut. Parce que j'ai l'impression qu'il n'en fera pas un nouveau haut. La dernière fois qu'il a fait ça, c'était 2 jours. Ici, c'était 3 jours. Là, il a fait 2 jours, mais il est en inversement de sa tendance. Fait que ce serait le point d'entrée 4,60. ENPH, ça dit quoi? En phase. Bon, il a fini son cycle. Ce sera pour un prochain cycle, OK? Regardez avec la cote qu'il fait aujourd'hui, là. Il est rendu au bout de son élastique. Attendons le début du prochain cycle. Parce que là, on voit, hier, il a monté une journée, 2 jours. Là, regardez, il est en train d'inverser sa tendance ici, à très court terme. Donc, si on retourne le voir comme en 2 minutes, on va le voir de manière évidente, que là, il est en inversement de son dernier cycle haussier. Pas encore le temps. MDI à Toronto. Bon, là, sur un nouveau haut, il sera en inversement de sa tendance. Major Drilling Group, ça fait partie des mines. Puis il y a beaucoup de mines dans cette même condition-là. Donc, c'est 4 piastres et 10, le point d'entrée. MRNA en swing trading, bien, faites attention à MRNA, là, il est pas mal rough, là. Là, le côté positif de MRNA, là, MRNA... je me trompe peut-être de... Oh non, c'est ça, je me trompe pas. C'est qu'il est ici... son top était de 87 piastres. Puis là, ben, il avait monté ici, puis il avait fait monter le marché de 900 points mRNA parce qu'il était supposément sur un vaccin. Puis depuis hier, il arrête pas de sortir des commentaires là-dessus en disant « Ouais, ben ils se sont avancés quand même un peu vite. C'est vraiment très préliminaire, le vaccin. » Il y a 100 compagnies qui ont dit, le docteur à TV hier, il a dit « Il y a 100 vaccins en développement dans le moment. » Et puis, eux autres, ils n'ont pas une si grande avancée que ça par rapport au reste, que ça reste encore bien nébuleux. Et puis, c'est pour ça que le titre est reparti. Il y a eu du monde qui ont dit que c'était pas si sérieux que ça. Il est parti de 87 piastres, il est redescendu à 67 piastres, il a perdu 20 piastres. Puis là, il est sur le bord d'un inversement. Mais on s'entend que... faites attention à ça, là, parce que ceux qui l'ont acheté il y a 2 jours, pour l'instant, ils ont mis le chapelet sur la corde de linge pour essayer de récupérer leur argent. Ça fait que c'est vraiment pas avant 73-34, puis restez donc à très, très court terme là-dessus, hein. Je voudrais savoir si CGX est un achat à court terme. CGX. Bon, loin de là, OK, Cineplex, là, regardez, là, il est en train de retourner sur sa base, là, il est vraiment pas beau, là, ce matin, avec un 15 minutes, même un 30, voici, avec un 30 minutes, je sais pas si j'ai ça là, en stock là-dedans, là. 30 minutes... Bon, c'est ça que je voulais vous montrer. On le voit ici, là. Regarde, on est en train de revenir tester ce support-là, là. Puis regarde, c'est un gros signal de vente, là, à 13,5 $, là, sur Cineplex. Fait que c'est pas le temps d'acheter ça. TVE, bon en swing. TVE. Il y a pas grand-chose qui est hot en swing. Je sais que les gens, ils ont hâte du swing, là. Ça brassait ce matin, hein, là-dedans, là. Les gens s'impatientent, ils veulent juste avoir des swing trades, mais le marché ne swing pas, je veux que je vous fasse swinger, moi. Donc, là, on est pas mal, là, Tamarack Valley Energy, volume un peu ordinaire quand même pour aujourd'hui. Il a fait une shot ce matin comme beaucoup, beaucoup, beaucoup de titres d'énergie, mais là, il est stocké là, ça fait que c'est seulement sur un nouveau haut qu'on pourrait considérer sa tendance, mais, tu sais, regarde, c'est pas un genre de volume qui se trade bien, bien, là. Je dirais, moi, c'est 93, 94 cents, pas avant ça. SPXU, que serait le point d'entrée? Bien là, SPXU va être juste intéressant si le marché décroche. Là, Nasdaq est sur un nouveau haut, va faire une correction là dans les prochaines minutes, tout comme le DOR qui va revenir sur son support, tout comme le SPY qui va revenir sur son support. Mais on n'a pas un marché en décrochage, on a un marché qui a jumpé à la hausse sur des fausses bidons, nouvelles bidons là, qu'il y a eu ce matin. Il n'y avait rien. Il n'y a rien de positif sur le marché. Il n'y a rien de positif, à part que de l'anticipation à cause du déconfinement. Là, les États-Unis se pètent les bretelles comme quoi, hey, regarde, on est déconfiné, puis le nombre de cas, il n'augmente pas. Hey, attends un peu, paquet, là, c'est un petit peu vite ton affaire.
Ça fait que je suis vraiment perplexe. Moi, l'affaire la plus importante à considérer, là, c'est ça ici. Tant qu'on ne sera pas passé sur le dard, tant qu'on n'ira pas plus fort que ça sur le spy, regarde le volume, là. Regardez le volume aujourd'hui. On a 9 millions, OK, sur une moyenne de 75 millions, là. C'est ça le volume sur cette hausse-là ce matin. Dorel, des bicycles très populaires dans ce moment. Ah, OK, Dorel. Ah, marquez-moi le symbole, là. Moi, je connais pas tout par cœur. Dorel, c'est de la consommation discrétionnaire, ça me semblait, là. Bon, je le vois pas ici, je sais pas ce qui est, là. Marquez-moi le symbole. Là. Marquez pas le symbole, je peux pas vous analyser rien. Je suis pas, j'ai pas la mémoire de. J'en connais un mot, 10 paquets, mais à mon âge, on en échappe quelques-uns. Je commence à dire ça à mon âge. Mais c'est vrai que je vais avoir 67 ans. Moi, là, dans quelques jours. Electronic Art. Bon, on a un beau breakout sur un petit volume. OK. Bon, c'est EA. Il semble intéressant, mais regardez, là, il est sur son haut pour la deuxième fois ce matin même, qu'on pourrait peut-être presque dire la troisième fois. Donc, le point d'entrée sera à 122. SRNA fait bondir. Bien, tantôt, il n'était pas beau, là. Dans où si je l'ai mis? Ah, il est là. OK. Bon, oui, c'est ça. Il est reviré de bord. Je me suis trompé. Je me mélange des fois d'un stock à l'autre. Là. OK. Parce qu'il a beaucoup, beaucoup chuté au cours des derniers jours. OK. Regarde, on va regarder ça en 10 minutes, là. Donc, il a vraiment chuté. Puis là, à très, très, très court terme, en day trading, il a l'air beau. Mais regarde, il y a ça ici à considérer, là. OK. Donc, que quelqu'un nous a rapporté que le prix cible, d'après les analystes, était de 24$ là-dessus, puis il chutait comme une roche depuis 2-3 jours. Donc là, vous voyez que la résistance importante est à 5,75. OK? Là, je vais quand même le remettre en 15 secondes, puis on voit que pour aujourd'hui, il y a quand même du mouvement dedans. Là. Regarde, dans un graphique en 15 secondes, là, il a donné un signal d'achat ici à 5$. Il est monté à 5,10. Regarde, point d'entrée, point de sortie, prise de profit. Il revient pas au prix payé, on regarde. Puis là, il a redécollé encore ici. Donc, ceux qui l'ont acheté à 4,90, il vaut 5,25. Il y avait encore un autre signal là à 5,8. Point d'entrée, point de sortie, prise de profit, pas revenu au prix payé, on regarde encore. Fait que ceux qui sont rentrés là, puis ceux qui sont rentrés là, tous ces signaux-là ont marché. Même celui qui est rentré ici à 5,17, il y avait un point de sortie ici, puis il y avait un point de prise de profit là. Mais là, c'est pas le premier, là. C'est un, deux, troisième signal. Fait que, vous savez, moi, je dis toujours premier ou deuxième signal. À partir du troisième, ça commence à être plus risqué. Donc, il y a presque où il est revenu à son prix payé. Fait que ce trade-là a été beaucoup plus difficile pour les autres. Excusez, un instant. Bon, j'ai pris des claritins un matin pour la première fois de ma vie. Ça a marché jusqu'à date, mais je viens de faire un atchoum pareil, parce que là, hier, c'était une boîte de Kleenex par jour, là, puis ça, pour l'instant, pour moi, ça fonctionne. Fonctionne. C'est bien moins pire que c'était hier, en tout cas. Donc, SRNE qui est en revirement depuis un petit bout, mais là, il faut faire attention, ça prend un nouveau haut. J'ai d'autres stocks aussi qui bougent. J'ai CIDM ici, là, qui fait encore du volume, qui vient juste de faire un mouvement. Attendez le prochain, là, mais il pourrait en avoir un autre. Lui, il semble avoir fini. J'ai trouvé ça tantôt pendant la pause, avant le début de l'émission. Il a déjà fait deux signaux, mais là, il s'est arrêté, là. DOU, DOYQ. Bon, c'est tout. Ça s'arrête là. J'avais GoGo, mais il est viré de bord. J'avais LEDS qui était super beau. J'avais hâte de repartir mon stream pour vous le montrer, mais il a fini. Bon, je l'ai découvert. Il est en train de décoller ici, puis là, ben, il est en train de décrocher. Mais ça ne veut rien dire. Il peut avoir d'autres mouvements plus tard parce qu'il est encore dans sa tendance. Donc, à l'inversement de cette tendance-là ici et de cette résistance-là, on pourra avoir d'autres mouvements un petit peu plus tard. Bon, en transport ferroviaire, c'est-tu un achat?
Qu'est-ce que c'est? Un instant. Bon, désolé, j'avais quelqu'un qui cognait à ma porte, mais il n'y a personne. OK, DI, on l'a fait. DI, on l'a fait, c'était DI.B. D'où achat dans ce moment? Bon, traditionnellement, on analyse ça tous les jours. D'où? D'où? C'est pas celui-là. C'est le D'où au Canada. Bon, je sais pas. Je sais pas. C'est pas clair. Il est pas mal à sa résistance ici. Il est comme le marché. C'est pas traversé. C'est pas clair. 42 pièces et demie. Oh, on était dans le ferroviaire, c'est vrai. Dans le ferroviaire, bon, dans les industriels, j'en ai deux là, mais les industriels sont pas traversés. Il y a juste CP qui est traversé, mais sur un tout petit volume, puis CN qui est encore là. Ben, regarde, c'est pas risqué, le secteur ferroviaire, là. C'est pas un achat technique super dans le moment, mais c'est pas le genre de compagnie que vous allez manger vos bas puis qui va faire faillite demain. Hein. C'est impossible que ces compagnies-là fassent faillite. La dernière affaire qui va arrêter, c'est les trains, là. Je vous reviens dans une seconde. Ah bon, OK, revenu la question. DII.B, OK, j'y retourne. DII.B, parce que j'avais plus la question. OK, acheté 1000 à 3,29. OK, c'était parfait. Vendu à 4,9. Ce matin, 300 actions. Je fais quoi avec le reste qui monte? Bon, ben regarde, c'est facile. Mais mettez-vous un stop à 4,25. Bon, LAC, il vaut-tu le lithium ce matin? LAC, je l'avais vu tantôt. SQM, lui, il n'est pas en décollage, mais LAC est en décollage, lui. Donc, LAC, en principe, là, sur un nouveau haut seulement, parce que n'oubliez pas une chose, là, LAC est parti de 4,25. Puis là, il vaut 5,43. OK? Il a monté de plus que 20 % dans le moment. Donc, j'ai peur qu'on soit rendu sur la fin de son cycle. Fait que je vous dirais 5,50 le point d'entrée, là, pas vraiment avant ça. Parce que il pourrait bien être sur la fin de son cycle rendu où il est là. OK, on fait une pause. Bonne raison de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devises américaines. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon retour, mesdames et messieurs. Bon, j'ai un petit cas spécial ici, là. J'ai... attends un peu, là. Je veux pas me tromper sur le nom de la personne. Bon, j'ai Jacques ici.
qui nous avait parlé la semaine dernière. Vous savez, quand on parlait de USO, là, l'histoire du recours collectif et tout, on avait demandé combien de monde qui était là-dedans, mais on avait posé la question sur ce stock-là aussi, puis je voudrais vous reposer cette question-là encore ce matin, ça vaut la peine. Je sais pas combien de gens, lui, il avait vu que 4 personnes avaient répondu positif. Je vous ouvre la barre, oui ou non, OK? Puis je vous pose la question. Étiez-vous dans ce stock-là, OPS? OK? Parce qu'il y a eu quelque chose de très bizarre sur OPS, qui est un fonds dans les titres d'énergie. Puis le titre était vraiment en forte baisse. Ça fait quand même un bout de temps de ça. Et puis, ce fonds-là, dans sa convention, il y avait quelque chose qui disait que le fonds pourrait, quand il le voudrait, racheter les actions au asset value, c'est-à-dire la valeur des biens, les assets, la valeur de leur valeur, OK, qui possèdent, qui ont une valeur positive. Moins 10 piastres. Donc, il y avait le droit de racheter les actions à leur asset value moins 10 piastres. Mais quand ils ont fait ça, le stock, apparemment, il valait 4 piastres. Donc, c'est dans ce coin-ci que ça leur a été fait, là. OK? Puis là, bien, le stock était en plongée. Puis là, apparemment, ils auraient racheté les actions à zéro. Donc, il y a des gens qui avaient ce stock-là à 4 piastres, mais ils avaient le droit de le racheter à 4 piastres moins 10 piastres. Donc, 4 piastres moins 10 piastres, ça fait moins 6 piastres. Fait que, tu sais, ils ne peuvent pas me donner moins que zéro. Ça fait qu'ils auraient racheté les actions de ça. Ce monsieur-là, Jacques, qui est un comptable, qui s'est fait flouer, à son avis, là-dedans, voudrait faire un recours collectif. Il y a un ami qui est avocat spécialisé dans les recours collectifs. Ça fait qu'il voudrait savoir s'il y a d'autres personnes qui ont des actions de ça, qui se sont fait avoir dans cette affaire-là. Je vais vous donner son courriel. Attendez un petit peu, je vais même le faire ici. Je vais vous donner son courriel, c'est ligac@hotmail.com. OK? Oups, mon arrobas n'a pas marché. Attends un peu, il faut que je change ça ici, comme ça. Puis là, ça va marcher. Ouais, c'est ça. ligac@hotmail.com, mettre à jour. Donc là, il va être ici. Tu cliques. Là, il apparaît en haut. Puis il est allumé. Donc normalement, vous devriez voir son adresse. Fait que les personnes. Donc ligac@hotmail.com. Et donc, il y a 3 personnes. Tiens, je vais la. Ah, ben, on ne verrait pas le chiffre encore, parce que je n'ai pas la nouvelle version, mais c'est 3 personnes. Pour l'instant. Puis s'il y en a d'autres, s'il y en a qui voient ça en différé, prenez cette adresse-là, ligac@hotmail.com, et vous allez pouvoir communiquer avec cette personne-là. Il va prendre votre nom, vous allez dire c'est combien d'actions, c'est quand vous les avez achetées, puis lui, il va fournir cette information-là aux avocats. Vous n'aurez rien d'autre à faire, mais ça va faire d'autres personnes pour appuyer ce mouvement-là, parce que ça m'apparaît vraiment fucké, là, cette affaire-là. C'est presque un vol, là. Donc... OK, j'ai 3 personnes. Il y en avait 4 l'autre jour, mais là, on en a 3. Fait que communiquez avec Jacques, si vous voulez. Puis là, je remets ma barre de questions, maintenant. Bon, OK, le DAR a commencé à redescendre. On est rendu au support. On a même graffiné un petit peu à travers. Le SPY est en train de faire la même chose. Donc, on repère des plumes tranquillement. On est rendu à 350. On avait 400 cucs. Le TSX fait la même chose aussi. Donc, on pourrait avoir un petit peu de correction ici en réserve. Le USO, depuis son haut de ce matin, ne fait que redescendre. Donc, les titres vont redescendre, eux autres aussi. Tandis que l'or remonte un petit peu, mais il ne fait pas grand-chose.
Donc, dans le cannabis, on a NBEV qui a fait un petit mouvement dernièrement, puis il y a CBEV qui est dans un mouvement-là. Bien, ils font tout ça un petit peu chacun leur tour. Là. Ils jouent à la chaise musicale, là, mais ça fait déjà deux jours. Les autres ont monté, ceux-là n'ont pas monté. Donc, les traders, ils embarquent dans ceux qui n'avaient pas monté en disant, eux autres aussi vont remonter. On voit ça souvent, ce genre de phénomène-là. Mais pour l'instant, c'est complètement arrêté, à mon avis. Là. C'est pas mal risqué là, de s'embarquer dans le cannabis à cette hauteur-là, étant donné qu'aujourd'hui, le marché, le secteur ne remonte plus, puis qu'on est vraiment à côté à cette résistance-là. Donc, c'est le prochain mouvement du cannabis là, qui devrait vraiment engendrer des cycles plus forts que ça, le jour où on traversera ici solidement, puis qu'il y aura plusieurs élans haussiers du côté des titres de cannabis. Pour l'instant, le marché se garde une petite gêne. Donc, le pétrole qui avait monté, je vous ai montré tantôt, c'est quelles les pétrolières qui avaient décollé, mais à part de ça, il n'y a aucun autre secteur en haussier encore pour le moment. On est quand même sur le bord, mais c'est pas encore fait. Le seul secteur qui est plus fort que les autres, c'est le secteur des technologies aux États-Unis, mais qui ont jumpé solide. C'est eux autres qui ont fait rebondir le marché. Là, ce matin, là, toute la gang, là, Apple, Microsoft, Facebook, Google, Amazon, même Netflix avant de rechuter, puis Tesla, puis Gilhead, puis même Baidu. Mais Baidu, il est Baidu pour retourner à son support. OK. Il est en forte chute. Puis il y a Boeing, même Boeing là, qui avait encore décollé ce matin. Là. Je ne sais pas où il vient l'engouement de Boeing. Là. Ils sont tellement dans le trouble de ce temps-là. Donc, regarde, il s'en revient encore à la baisse. Là. Donc, AAL, Boeing, Intel aussi, qui était le titre le plus fort à peu près sur le marché ce matin, qui est en train de se corriger là aussi. Donc, moi, je ne pense pas qu'on va traverser cette formation neutre-là encore. Bien, j'ai entendu dire, il y a quelqu'un à propos du recours, d'une possibilité de recours pour HOU, j'ai entendu dire, c'est pas moi qui vais faire ça, c'est clair, là, tu sais, ça prend quelqu'un, ça, c'est des avocats habituellement dans un recours collectif, quand ils vont faire le recours collectif, ils vont faire le recours, ils vont embarquer tout le monde dedans, ils vont se repayer à partir des amendes ou whatever, ou à partir de leurs gains s'ils gagnent. Eh bien, Dieu, ils chutent vraiment solide. Et puis... je ne sais pas. Je pense que votre meilleure chose, c'est de taper recours collectif USO ou recours collectif Horizon Beta Pro, parce que USO, c'est le nom du symbole, mais la compagnie, c'est c'est-tu Beta Pro? Je ne me souviens plus, il faut vérifier. Mais il faut faire des recherches sur Google. S'il y a un recours collectif, là, vraiment, là, ça devrait laisser des traces sur Google. Donc, est-ce qu'on va décrocher encore ici, comme on a vu hier soir, là, quand... Mais en fait, c'est quand ils ont sorti les informations sur mRNA, qui ont dit que, moi, son test, c'était pas concluant, puis c'était pas si bon que ça, que le marché a replanté, mais il avait quand même fait monter le marché de 900 points, puis sur la nouvelle, le marché a redescendu de 300 points. Fait qu'il reste encore 600 points qui avaient été attribués à mRNA. Tiens, le Nasdaq aussi va venir sur son support. Il est plus fort que les autres, il descend après, mais les autres descendent en premier. Puis là, ben, il y a quand même pas mal de pression sur le support ici, sur le Dow Jones, pour s'en tourner à son autre support. Puis là, ben, c'est un autre 50, 75 points, donc il en resterait même pas 300 après. Pour le recours collectif dont vous parliez tantôt, ça ressemble beaucoup à la passe que se sont fait faire ceux qui ont investi dans Prométhique, n'est-ce pas? Bien, je ne sais pas trop qu'est-ce que c'est. Je m'en souviens plus, là, ça commence à faire longtemps. Je ne me souviens plus trop ce qui s'est passé dans Prométhique. Je ne sais pas s'il y a eu un tel rachat d'actions. Je suis désolé, Yves, ça commence à faire trop longtemps. Là. EMH 10 000, Emerald Health, EMH, à 25,5, ouch. Ouais, ça va pas bien, hein? C'est ça qui arrive avec le cannabis, là.
Bon, il a suivi les autres, il a fait un décollage. Hier, à 25, il est allé à 29. Apparemment, vous n'avez pas eu la chance de prendre un profit. Ça vous aurait sécurisé jusqu'à 20 cents. Là, bien, à 19, à 20 cents, il y a un signal de vente. Novavax, 52. C'est ici Novavax, 52. Bon. Le Novavax, il se reprend un petit peu ce matin, là, mais il y a eu quelques petites misères. Depuis son top ici, il n'a pas arrêté de descendre. Là, vous l'avez à 52, c'est là. Ça devait faire un bout de temps, je suppose, que vous l'aviez, parce qu'à 52, ici, moi, je ne vois pas. Attendez un peu, 42, 47, 52, c'est où? 50 et 45, 51, 71, 52 et 10. Bon, j'ai 52 et 10. Ah, OK. Vous l'avez acheté là. Il est allé à 62. Vous ne parlez pas de point de profit, rien, Fabien. Aïe. C'est un petit peu compliqué, là, parce que là, le titre est vraiment sur le bord de l'inversement de sa tendance. J'espère qu'il ne va pas traverser ça, mais tu sais, ce serait 47 et quart son point de vente, mais vous avez payé 52. Là, vous n'êtes quand même pas trop loin de votre prix, payé, là. Regardons ça ici, comme ça, là. Ça, c'est 51,50. Vous allez rentrer dans votre argent s'il fait le moindrement un autre cycle haussier. Par contre, à très court terme, pour la journée, en tout cas, en day trading, il y aura un signal de vente à 51. Mais là, en tout cas, moi, je vous le souhaite, là, il n'y a pas de volume, il semble pas avoir des grosses chances d'y aller, là. Mais c'est ça qu'il va falloir surveiller, là. S'il y avait la moindre poussée de volume dessus, puis partait à la hausse, vous reviendriez à votre prix payé, ce qui serait bon, OK? Si je rentre à 52 en day. Ah! OK! Ah, là, c'est une autre affaire, mais pas à 52. Bien, dans le moment, il vaut plus cher que ça. Attends un peu, je vais mettre la barre de cote là, pour avoir le prix plus exact. Là, il vaut 51 et 12, 51 et 20. Donc, à 52, ce ne sera pas un achat. Parce qu'à 52, il va être en chute. OK? Regardez, mettez-le en 15 secondes, là. Bon, vous voyez, regardez, le point d'entrée, c'est seulement. Désolé. Bon, le point d'entrée, c'est dans le moment, c'est 51 et 75. Bon, qu'est-ce qui arrive d'autre ici? Nasdaq s'approche de son support. Le Dow Jones l'a traversé. Donc, il s'en va à ce support-là. Le SPY l'a aussi traversé et continue à descendre après sa traversée. Donc, il s'en va au moins à celui-là. Le TSX est sur le bord de faire ça aussi. Bon, l'NBEV est tout en train de se dégonfler. Bon, NIO est en chute. J'ai rien qui bouge ici dans ce tableau-là. VTQ a changé de bord. SRNE, il ne monte plus. Il y aurait une possibilité d'inversement plus tard. Ça, c'est s'il ne traverse pas sa tendance ici. Dans le moment, le seul point d'entrée serait à 5 et 20. Oups, c'est ULEDS qui a fait une belle correction qui vient de redécoller. Il était vraiment beau en plus. Ces stocks-là, il faut suivre ça. Là. Regarde, il vient de redécoller 3 piastres. Il a fait 10 % en 3 minutes. Le stock est vraiment, vraiment hot. Mais il faut le prendre au début de ses revirements. J'ai acheté CCW la semaine dernière à 46 cents, vendu la moitié à 52. CCW. Cobalt, Canada Cobalt, à 46, qui était ici, dans l'inversement de sa tendance, c'était bien. Il a vendu la moitié à 52, je vais garder le reste en swing.
Bon, pourquoi pas? Mais malgré tout, quand même, je mettrais quand même un stop au cas où, là. Sa tendance est là. Vous avez payé 46. J'irais quand même avec un stop à 57. OK? Parce que s'il tombe là, il va avoir inversé sa tendance. Je mettrais un stop à 57. Je pense pas qu'il va l'attraper. Ah, tiens, on voit votre photo, Karel. Quelle heure est-il? 12h24, on a presque une heure de show. À surveiller les FNB maintenant, là. Parce que comme le marché a décidé de revirer de bord, regarde, c'est pas exclu pas en tout qu'on vienne reperdre ce qu'on a gagné là aujourd'hui. Là. Ça arrive, le marché est tellement fou. Regarde, il y a encore de la pression à la baisse, là. Donc, surveiller les FNB. Non. Un peu. Les Top USA, ils font quoi? Regarde, ils s'en vont tous à la baisse, les Top USA. Là. Ça fait que le marché, il va sûrement réagir aussi avec une continuité à la baisse. Donc maintenant, surveillez vos FNB parce que si le marché décroche, les FNB vont décoller. Hier, TZA, il a bien fait à un certain moment donné. Là. Regarde, il vient de recommencer un nouveau. Donc, vous voyez, là, il peut y avoir d'autres signaux d'achat ici. Prenez ça avec un graphique au moins en 30 secondes. Là. Il pourrait avoir TZA, SDAR, LABD, tout ça, si le marché décroche, pour remonter. Est-ce qu'il y a l'équivalent de UDAR sur Nasdaq? Oui. Attends un peu, j'ai ça ici dans la liste des ici, c'est toutes nos FNB populaires, là. On les a publiés hier, d'ailleurs, sur gourou.tv, là. Regardez, je vais vous le montrer, là. Vous cliquez sur votre bouton gourou, vous allez en bas, dans le site, là. Il a été publié, je suis pas mal sûr, hier, dans la journée d'hier, le 19, là, liste des FNB haussiers baissiers. Vous cliquez là-dessus, puis ça va charger la liste. Si vous êtes dans le site Internet, vous cliquez sur l'autre, ça va la charger aussi. Donc là, après ça, vous pouvez les regarder un par un. Donc, vous parlez de UDAR. Bon, regarde le Dow Jones, OK? Tu as UDAR qui fait pareil, puis tu as SDAR qui fait le contraire, OK? Donc, du côté du marché de Nasdaq, attends un peu, où c'est qui est? Attends un peu, SQQQ. Il est là. Donc, il y a QQQ, déjà au départ, puis il y a TQQQ. Pour ce qui est de UDAR, dans le cas du Nasdaq, c'est TQQQ, puis l'inverse, c'est SQQQ. FFN, un achat? FFN. Si c'est bien Toronto, hein? FFN au Canada, oui, non, non, c'est pas un achat, OK? C'est un holding multisectoriel, là, qu'ils disent, là. Regardez, il y aurait un signal juste à 4,20, mais il y a une grosse résistance à 4,30, qui est juste là. Ça fait que, puis le titre est en tendance baissière. Il n'est pas vraiment intéressant, je vous avoue. Nelson dit, allô Michel, peux-tu me dire si ça vaut encore la peine d'entrer dans INO vers 1660 ou s'il est trop avancé? INO. Bon. 1660? OK. Ce ne sera pas 1660, là, ce serait plutôt 1620. OK? Parce que là, il est sur le bord de redécoller ici. Hein? Regarde, on va y enlever ces gros volumes qu'il y a là, là. Et puis là, bon, on voit ici là, qu'il y a eu un volume sur la première hausse. Puis là, il est comme coincé là. Donc ici, vous le mettez ça en 15 secondes. Puis là, on devrait voir là, c'est où le point d'entrée. Donc sa résistance était là. Donc n'importe quel point ici, c'est un point d'entrée. On va corriger son gros volume là. Puis celui-là. OK. Donc, on le voit ici en train de. OK. Là, il y a déjà trois codes de fait là-dedans. Là. J'aimerais le voir faire une pause ici, là. Ce qu'on voudrait, c'est ça, là. OK?
ou ici avec une pause. Là. C'est pour ça que j'aurais voulu le voir redescendre. Il n'est pas négatif. Là. Il n'y a pas une grosse perte non plus. C'est 15,95 le point de sortie. Bon, là, là ça pause. Là. OK, ça s'en revient. Donc, vous voyez, il a à peine passé. Là. Donc, ici, on va avoir un autre sommet. Donc, on a un double sommet. Donc, le point d'entrée, c'est comme je l'ai dit tantôt, c'est 16 et 20, à condition qu'il ne revienne pas ici en bas. Parce que s'il revient en bas, il va avoir... Bon, comme il fait là, ça veut dire que le cycle... Ça veut dire que les acheteurs qui sont rentrés après la base ici sont en train de ressortir. Donc, il faut absolument... Là, c'est juste une petite patte. Là, on est en train de se faire une base. Là, il va revenir ici. Donc là, une fois stabilisé comme il faut, là, le point d'entrée, 16-19. 16-20. 16-19, 16-20. OK, le marché rebondit à partir de son support. On fait une autre petite pause, la dernière pause. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devises américaines. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon retour. OK, le SPY, après avoir traversé ce support, est allé un petit peu plus loin. Mais comme vous voyez, on vient d'avoir un rebond là, mais qui n'a pas traversé il a traversé la tendance, mais on n'est pas venu traverser la résistance. Donc, on n'a pas d'inversement de ce cycle baissier-là encore. Et on va revenir tester le support encore une fois ici. C'est là ou là, hein, entre les deux. Bon, j'ai un petit peu trop de données, là, moi, là-dedans. Là, regarde, on va mettre ça en 30 secondes. Là. On va le voir bien mieux. Là. Donc, on savait là, que ça, c'était le support. Puis là, ben, l'inversement se ferait seulement que si on traversait ici, parce qu'il faut traverser la tendance. Maintenant, c'est rendu là. Là, ça a changé à cause du sommet qu'on vient de faire. Donc, la tendance est là. La résistance est rendue ici, double résistance. Donc là, c'est maintenant, c'est là, 24 560, l'inversement sur le dollar. Mais tant qu'on revient à la baisse, là, on va aller menacer le support sur Nasdaq et sur le dollar, sur le SPY et tout ça. Là. Fait que là, c'est un point de possible d'inversement du cycle baissier. On reste quand même dans une formation neutre. Donc, puis tous les stocks aussi, là, regarde, les FNB aussi sont dans une formation neutre. Donc, à surveiller le prochain mouvement. La batterie est encore bonne, hein? Ouais. Donc, ce qu'on regardait tantôt, là, il y avait, c'était TQQQ, là. Bon, vous allez voir, votre TQQQ, il va faire la même chose là, que QQQ. S'il inverse sa tendance. Bon, vous voyez, regardez, c'est comme bloqué là. Tiens, je vais mettre ça même en 15 secondes. Bon, regardez comment les résistances freinent les traders. C'est quand même positif, là. Tout donne l'impression qu'il va traverser. Les volumes ne sont pas vraiment là. Descendre ce gros-là. C'est un peu timide.
pareil. Moi, c'est ça que j'aime. Quand on voit des mouvements, c'est quand ça se passe comme on veut que ça se passe. Donc, ici, ce serait vraiment positif parce que là, il est de côté. S'il traversait là, ben c'est comme, tu sais, quand tu arrives pour traverser un ruisseau, là, ça prend un élan, hein, parce que c'est un petit peu large, tu ne vas pas tomber dans l'eau. Fait que là, tu te recules, pop, pour sauter, c'est un peu le même principe ici. Donc, on n'est toujours pas traversé. Bon, il y a Yeno, il a fait 15,85, 16,25. Là, maintenant, on a un point d'inversement ici à 15,98, 15,95. Puis d'un autre côté, après cette correction-là, le prochain mouvement à la hausse serait 16,17. Mais il n'y a pas un gros potentiel parce que sa résistance est à 16,25. Oups, c'est ODX qui décroche encore. C'est pas tout à fait clair, hein? Le marché n'est pas sûr. Ouf, on a fait une petite shot sur le SPY, mais regarde, c'est pas. C'est loin des mouvements de cette force-là. Là. Ce qu'on a là, c'est un petit peu positif. Je commence à manquer de jus, moi, là, de stock intéressant. C'est un bébé, il a inversé sa tendance. Bon, puis là, le marché qui rebondit, là, vous voyez, ça a fait redescendre les FNB. Mais c'est pas encore fini, cette affaire-là, là, parce que le mouvement, il est vraiment pas très fort. S-DAR. UDAR qui remonte une petite affaire, mais c'est pas clair, pas solide. On fait un petit scan noir. Ouais. Oh, BOXL, ça sort d'où ça, cette affaire-là? Ça vient juste de décoller. Oups, il a déjà été arrêté là. Il a monté de 80 cents à une pièce. Ils l'ont arrêté. Puis là, il vient de faire 1,30 $, 2 $. Wow! Attends un peu. C'est quoi le graphique? C'est quoi le symbole? BOXL sur Nasdaq. Encore un autre cas bizarre. Je suis en 15 secondes en plus. Il vient juste de redécoller, ça fait que je vais en mettre le moins possible. J'ai 100 fois 15 secondes. Là. Il est encore en arrêt. Il a été arrêté ici de 12h25 à 12h35. Il est en arrêt 10 minutes. Là, il est encore en arrêt. Samy, m'entends-tu? Veux-tu essayer de voir s'il y a quelque chose sur BOXL? Ouais, je regarde ça. Merci. Parce que tu sais, tu as fait 100% en même pas 15 minutes. Ça passe toujours pas. J'espère qu'il avait spiké un peu, mais il est revenu. Puis il redescend. Bon, puis le Nasdaq aussi, il redescend.
Donc, le revirement, il a avorté. Puis on revient neutre. D'où a décollé? Bon, c'est ça. Il est reparti là. Si vous voulez embarquer là-dedans, le titre est en inversement, mais il a toujours sa résistance fatigante à 45-25, mais il est quand même, il reste 2 piastres et quelques d'ici ce temps-là. Pour l'instant, il y aura un point d'inversement à 42 piastres et 20. Bon, il est encore en arrêt BO et XL. Il y en a eu des folies comme ça, par exemple, là, ce matin. C'est ici que j'ai ce stock-là. Ah oui, un NDM, ce matin, il était en feu. Il était arrêté un paquet de fois. Puis finalement, regarde, il est reparti à la baisse. Là. Il était arrêté une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Autant quand il montait que quand il descendait. Puis là, bien, regarde, il est reparti par en bas, vraiment clairement. Puis il y a PHUN, celui, il a le record mondial, là. C'est comme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 fois arrêté ce matin. ce qu'ils ont fait eux autres, c'est qu'ils ont closé un deal avec HP. Pour le développement d'un genre d'application pour le healthcare, pour le domaine de la santé, genre d'application où tu peux prendre des rendez-vous avec le médecin là en vidéo ou quelque chose comme ça, comme le service qu'on a ici au Canada qui s'appelle c'est quoi déjà, bonjour santé. Bonjour docteur, il aurait dû appeler ça bonjour docteur. Mais ça s'appelle Bonjour Santé. Moi, je l'ai utilisé la semaine dernière parce que je me retrouve entre deux médecins. Mon médecin est parti en France. J'ai appelé là, j'ai dit, moi, j'ai plus de médecin, mais j'ai besoin de ma prescription de Nexium parce que je prends ça à l'année depuis des années, je suis obligé. Mes assurances-vie ont triplé à cause de ça. Ça fait que si je les prends pas, ils vont m'assassiner avec encore des augmentations. Ça fait que j'ai appelé samedi, il était 7h30, et puis j'ai eu un rendez-vous dimanche matin à 8h20 au téléphone avec un docteur. Il a appelé, il a envoyé ça à la pharmacie, j'étais allé là-bas, il avait reçu ma prescription. Ça fait que c'est bien moins de troubles encore que... Il ne peut pas prendre votre pression, mais, mais s'il ne me donne pas, mes médicaments, c'est là que ma pression va augmenter. Ça fait que c'est un beau service, mais il y en a déjà des services de même. Je ne sais pas pourquoi qu'un autre fait monter les compagnies autant que ça. Il annonce l'acquisition de Robot 3D, un leader des imprimantes 3D. Ah, OK, Robot 3D. Viens-tu un symbole, eux autres? Robot, c'est-tu Robot? OK, ils ont fait une acquisition. Où je l'ai mis. Et là, BOXL. Bon, il a ouvert, mais là, quand il a ouvert, il a chuté. Ça existe-tu sur le marché, cette compagnie-là, Robo? Aero BO? Ça doit pas être ça. Exchange Trade Concept? Non, ça doit pas être cette compagnie-là. Je pense pas. À moins qu'elle sera au Canada. Non, ça doit pas être son symbole. Tu veux-tu avoir un spécial? Va voir RMBL. Ah, c'est un fractionnement 1 pour 20. RMBL. On m'a dit ça ce matin. Là. C'est une consolidation, ça. OK? Là-dessus, on fait ça de même. Là. On fait fractionnement. On se met sur la dernière journée. Vous voyez, le prix a passé de 49 à 91. Donc, c'est une consolidation 1 pour 20. Ça fait que... Là, je m'en vais jusqu'à 20 ici, dans la petite case de droite. Là. Pas celle, le fractionnement, mais pas celle de gauche, celle de droite. On met 20 là. On se met sur la cote avant qu'elle change, puis on fait OK. Regarde, en fait, c'est ça le vrai mouvement de la compagnie aujourd'hui. Donc, avec son fractionnement, il est parti de 9 à 15.
puis il a arrêté encore une fois aussi, lui aussi, pas mal souvent. Fait qu'une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois. Peut-être même sept, là, mais je suis pas sûr. En tout cas, il a été arrêté au moins six fois, puis regarde, là, il fait plus rien pantoute. C'est bien après une nouvelle au USA, bien, c'est ça la fameuse nouvelle là, que la personne nous a dit, là, qui vient d'ailleurs, en fait... je ne sais pas c'est quoi la nouvelle. C'est pas le même, c'était l'autre stock BOXL en halte après une nouvelle. Oui, c'est ça, c'est BOXL qui a acheté la compagnie Robot 3D, compagnie d'imprimante 3D. PHUN, il semble que c'est risqué. Oui, c'est risqué, PHUN. Là. Il a vraiment fait toutes sortes de niaiseries. Il est arrêté 21 fois aujourd'hui. Là. Fait comment on peut trader un stock de même sans risque? Boxlight signe un accord d'approvisionnement de 10 millions. Lawrenceville, réduire les délais de livraison en fournissant des solutions matérielles des deux côtés. Ah, c'est-tu le même, ça, Boxlight? C'est-tu sa compagnie? C'est-tu le nom, ça? C'est comme deux nouvelles qui ne se ressemblent pas. Oui, Boxlight, OK, on a la vraie nouvelle. Boxlight Corporation, BOX, un important fournisseur de solutions technologiques interactives pour le marché mondial de l'éducation. Bon, ça, tantôt, on me disait c'était médical, là, il parle de l'éducation, mais ça fait peut-être les deux, là. Annoncé aujourd'hui, on va conclure un accord et un partenariat stratégique avec CEC Finance et Logistique pour fournir jusqu'à 10 millions de dollars de solutions matérielles. OK, c'est pas vraiment clair, ils font quoi, là. Mais, donc, BOXL, fait que là, c'est lui, là, ce stock-là, là, Boxlight, pour l'instant, là, il est comme en indécision, là, il est plus à la hausse, là, puis il risque de venir briser son support ici, là. Donc, on va attendre, là, peut-être plus tard, il va nous redonner d'autres signaux, mais regarde, de toute évidence, là, il a bien l'air à vouloir quand même chuter en bas. 12h45, on fait une autre pause. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devises américaines. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon retour. Comme vous voyez, BOXL, il vient de décrocher par en bas. Là. Fait que tant qu'il n'aura pas inversé sa tendance, sa nouvelle tendance baissière, maintenant, on va rester sur le côté. Analyse GTG Great Thunder. Sur Venture, il est rendu à sa troisième journée. Là, c'est la fin de son cycle aujourd'hui. OK, il faut attendre un prochain cycle si vous voulez embarquer là-dedans. Sinon, si vous êtes dedans, bien, je prendrai un profit. Le roi Bill, il dit « Oui, mais Michel, t'as pas besoin d'assurance-vie, tu vas être mort. » Mais non, mais l'assurance-vie, c'est pas pour nous, là. Les assurances-vie, c'est pour notre progéniture. Moi, j'ai deux enfants qui ont des enfants. C'est à eux que je pense en faisant ça. Mais en plus de ça, il y a la compagnie aussi, parce que dans ma compagnie, j'ai quand même des grosses assurances-vie, dans Décision Plus. Et puis, je payais pour mon assurance-vie d'à peu près 1 million, là, je payais 300 piastres par mois, OK? Ils m'ont monté ça à 1100 par mois. Yeah, vive Sun Life! Yes, vive Sun Life! Pourquoi? Parce que
J'avais dépassé de 3-4 mois les tests que je suis supposé passer toutes les 4 ans. OK? Gastroscopie, coloscopie, puis tout ça à cause des problèmes d'estomac et tout ça, qui sont réglés. Depuis que je prends des Nexium, moi, j'ai une santé parfaite quand je pète le feu. Mais les assurances, ils servent de ça. J'ai tout fait, OK? Tout fait pour bitcher avec ça. J'ai parlé avec mon représentant d'assurance que je connais depuis 30 ans. J'ai écrit à Sun Life, j'ai tout fait. Puis la gang de bandits, ils ont jamais, jamais, jamais voulu rien faire. Comment? Juste parce que j'ai dépassé... Hey, les médecins, là, t'as pas des rendez-vous de coloscopie en claquant des doigts de même, là, OK? J'ai dépassé mes maudits tests, puis en plus, les tests, là, ils disaient que j'étais parfait. Il y avait aucune accélération de rien pantoute, OK? Puis que j'étais parfait parce que j'ai suivi ma médication pendant tout le temps. Juste, j'ai dépassé mon test plus tard. Ils m'ont fait passer de 300 coques à 1100 piastres. Fait que, moi, Sun Life... Puis regarde, c'est quoi tu fais? Une fois que Sun Life vous a augmenté de même, essayez de changer de compagnie d'assurance. Là, ils sont tous connectés ensemble, puis ils se parlent tous, puis les autres vont faire exactement la même chose, OK? Puis là, ben, en plus, tu vas être posé de passer des tests interminables. Essayez pas d'aller vous acheter une assurance vie à 66 ans. Ça fait que... Mais je me suis fait fourrer total par Sun Life. À mon avis, c'est des profiteurs qui sautent sur toutes les petites affaires qui vont vous arriver pour vous augmenter. Puis ils savent très bien que c'est pas facile pour moi d'aller changer d'assurance-vie. Fait que j'ai fermé ma gueule, je le paye. Fait que là, ça me coûte à peu près 13-14 000 piastres d'assurance-vie par année. Ben, Yannick, moi, j'ai pas de réponse pour vous. C'est à votre courtier que je devais poser ces questions-là, parce que ça me regarde pas, moi. Est-ce que vous avez une idée pourquoi on achète une action américaine, on a des frais secondaires de quelques cents sur l'avis d'exécution, à part les frais de commission par achat que la banque nous charge, mais pas sur la bourse de Toronto? Je sais pas de quoi vous parlez. Communiquez avec votre maison de courtage, là. C'est ça que vous devez faire. Ah, merci, Josh. Il dit, tu cherches le titre de ton imprimante 3D, c'est un NDM, mais c'est-tu eux autres que Boxlight, comment ça s'appelle, là, c'est ça, là, Boxlight, là, Boxlight Corporation, c'est eux autres qui ont acheté, parce que NNDM, c'est Nano Dimension, qui est en chute aussi, à part ça, dans le moment, qui a été extraordinaire hier, là. C'était un de nos champions de la journée hier, il a été super payant, il a donné plein de beaux signaux. Puis là, par contre, c'est vraiment un point d'inversement, OK? En bas de 2,75, là, tout le monde débarque. Par contre, avec la grosse correction qu'il a faite là, s'il repassait positif, bien, ce serait un revirement de sa correction d'aujourd'hui. Puis il y aurait quand même une pièce et demie de potentiel sur 3,25 piastres. C'est quand même énorme comme mouvement. Ça fait que là, regarde, vous suivez ça ici avec un graphique en 15 secondes, un NDM, là. Bon, OK. Ce qu'on voit dans son graphique en 15 secondes, c'est qu'il est venu nous faire un mouvement de 3,8 à 3,23, puis là, il est reviré de bord. C'est pas évident, là, OK? Je pense que je vais être obligé de le regarder avec un petit peu plus de perspective que ça. Donc, sa tendance, elle est clairement ici. Et puis, donc, il n'y aurait pas de point d'entrée avant 3,33 piastres. Mais il n'est pas fort pantoute, là. Il est en train de plonger, en fait. Est-ce que vos enfants travaillent dans votre compagnie? Non. Vous savez comment ça, les enfants? Moi, tu sais, c'est pas parce qu'un gars est un joueur de piano que ses enfants doivent être obligés de jouer du piano. Moi, j'ai toujours respecté les désirs de mes enfants. Mon fils est un homme manuel qui, lui, il travaille dans la finition des avions pour Bombardier. Puis ma fille, Julie, elle travaille chez Bell Media, puis elle est directrice artistique, puis elle fait des autopubs, puis des affaires de même. Puis elle est dans le milieu artistique, mais en arrière de la scène. Et puis, non, mes enfants ne sont pas avec moi. Bien, je m'entends bien avec mes enfants, mais ils ne sont pas dans mon domaine. Ils sont dans leur domaine à eux autres. Entrée de MTY, vous l'auriez su avant aujourd'hui, de toute façon, MTY.
Bon, un petit ouais à Toronto, ce petit rebond qui a avorté en plus aujourd'hui, il ne continue même pas. Regarde, il a décollé ce matin puis il a tout reperdu. Donc, c'est un mouvement neutre. Il pourrait avoir un potentiel jusqu'à 26$, mais encore faudrait-il qu'il inverse là, son mouvement qu'il a de fait là, présentement. Donc, là, tout est comme reporté dans son cas parce que on sait pas, il n'a pas continué son mouvement puis il aurait quand même une chance de revirement. Fait qu'il n'est vraiment pas évident. Vraiment pas évident, difficile à définir un point d'entrée. Ah, ce sont les frais de la SEC. Mais c'est petit frais quand même, là. Mais vérifiez avec votre maison de courtage toujours cette affaire-là. Parce que c'est comme je disais, là, c'est moi, les détails administratifs comme ça, qui varient des fois d'une maison de courtage à l'autre, puis c'est peut-être pas pareil dans la même chose. Robot 3D est une compagnie privée de San Diego qui vend aux institutions scolaires. Robot3D.com. Bon, OK. Fait qu'on a des mouvements différents, là. Il semble pas qu'on a des mouvements contradictoires, des choses contradictoires, là. Ici, ce serait une autre compagnie et non pas celle qu'on a vue tantôt. Non, je n'ai pas entendu de parler de recours collectif. Je n'ai pas cherché non plus. Cherchez sur Google. S'il y a quelque chose, on va le voir. JAG a un gros volume aujourd'hui. JAG. C'est pas ce JAG-là, c'est un autre JAG. Ouais, mais oubliez ça, c'est pas un vrai volume. Là. Regarde, c'est un arnaque, ça. C'est une arnaque, ça. Regarde, fiez-vous pas à ça. C'est pour ça, regarde, quand vous voyez un gros volume dans votre market vision, là, vous n'avez pas d'autre choix que d'aller regarder le graphique de la journée. Regarde, ici, j'ai un graphique en une minute, on voit tous les cotes de la journée. Vous voyez, il y a un volume de 15 millions sur une cote unique. OK? Donc, c'est impossible. C'est impossible qu'il n'y ait pas de mouvement dans le prix avec une cote de 15 millions. C'est un gros block trade, un cross qu'on appelle. Donc, regarde, c'est la fin de son cycle. Ça ne montre pas plus haut que ça. Embarquez-vous pas là-dedans parce que ce serait une grosse erreur. Prochain support du Spike 294,50. OK. Ben moi, je vois 296 en temps réel là. Attendez un peu, on va regarder. Non, il n'y a rien à 200. Je ne sais pas ce que vous voyez à 294,50, Karel. Parce que le seul support que je vois, moi, là, vraiment, c'est celui de ce matin à 295,60 comme support. Puis le spike, il continue encore quand même à redescendre. On va mettre ça en 15 secondes. Non, pas en 15 minutes, mais en 15 secondes. Attends un peu. C'est pas là qu'on regarde ça, c'est mieux ici. C'est quoi que j'ai là? Bien, c'est justement ça que j'ai des 15 secondes. Donc, on est toujours dans une tendance baissière. L'inversement à la hausse passerait à 297. Point d'entrée AAL. Bon, on va aller voir les compagnies de airline. Attends. J'ai 6 airlines ici. Qu'on va mettre en 2 minutes. Point d'entrée pour AAL. Bon, juste en day trading, puis il n'y a pas énormément de potentiel. En day trading à 9,92, mais potentiel jusqu'à 10,10. On va regarder comme ça maintenant. Non, pas ça. AAL. Non, pas AL là, mais AL New York. Ça fait que tant et aussi longtemps qu'il ne viendra pas traverser clairement les 10 et 20, vous voyez, qui est sa grosse résistance, là, c'est depuis pour les 10-15 derniers jours, là, c'est bien clair qu'il est bloqué là et là. OK? Donc, c'est 10 et 30, le point d'entrée pour AAL, puis en day trading seulement.
Surf commence à être actif. Bon, j'avais ça dans mes stocks, moi, Surf, ce matin. Là. Tiens, je vais, au lieu de le chercher, je vais le mettre là. OK, il vient de faire un mouvement. Là, il est dans une formation neutre. On va le mettre en 15 secondes parce que les stocks du Nasdaq, là, ça se transige bien, ça se suit bien en 15 secondes. Il y a eu des gros volumes sur ça, sur le premier mouvement, mais aussi après le mouvement. Donc, il y a eu des volumes en montant et en descendant. C'est un petit peu compliqué. La tendance est belle et haussière. Là, on a un sommet qui pourrait devenir un sommet négatif. Donc, s'il retombe ici, c'est fini. Puis à 4 et 7, 4 et 5, c'est un signal de vente. Donc, pour l'instant, là, il n'y aurait pas rien à faire avec le stock tant qu'il ne va pas inverser ça et puis ça. Donc, ce serait probablement genre 4,35 son point d'entrée. Parce que là, il vient d'annuler. Il a annulé ce cycle-là, aller-retour. Il a annulé ce cycle-là, aller-retour. Donc là, tant qu'il ne traversera pas la ligne de tendance et qu'il ne viendra pas passer cette résistance-là, il n'y a plus aucun signal d'achat pour ça. SRNA peut-il atteindre 6 piastres? On ne peut pas répondre non à une question comme ça, mais il faut prendre ça un cycle à la fois. OK? Là, pour l'instant, il vient d'en faire un super beau, 5,25, 5,40. Puis là, comme vous voyez, là, il fait deux sommets négatifs. Il s'en vient là, il pourrait venir toucher sa ligne de tendance ici s'il drop en bas de son support. Excusez, j'ai fait quelque chose que je ne voulais pas faire. C'est ça, de même. Donc là, regardez, il est en train de traverser son support, donc il va revenir chercher sa ligne de tendance. On va regarder son graphique en minutes. Donc, il risque de faire une formation comme ça, là, OK? Qui va s'en aller, puis qui va s'inverser, qui va s'en aller en descendant, mais lentement, et qui va finir par s'inverser. Le même genre de formation qu'on a là. Okay? Donc, ça fait un premier cycle, un deuxième cycle, un troisième cycle, puis après ça, tranquillement, ça va revirer de bord. Donc là, j'ai juste un peu trop de données. On revient en 30 secondes. C'est important, c'est de montrer les mouvements. En fait, on a deux sommets quand on le regarde en 15 secondes. Vous voyez, là, comme je disais, qu'il viendrait toucher sa ligne de tendance, c'est correct. Il a touché sa ligne de tendance, mais ses supports demeurent positifs. Okay? Donc, il devrait faire son support à cette hauteur-là. Là, je vous ramène en 15, même en 10 secondes pour mieux voir où serait l'inversement. Donc, vous voyez, toutes mes lignes sont encore là. Là. Regarde, la ligne de tendance, les supports, là, là, puis là. Là, maintenant, on doit inverser la ligne de tendance, ce qui est en train de se faire en s'en allant de côté. Après ça, on doit inverser la tendance. Donc, le prochain point d'entrée, c'est 5,31. Puis là, bien, il vient de traverser sa tendance. Il a rebondi tout de suite après. Donc, c'est peut-être des stops qui viennent de se faire accrocher ici, là. Et maintenant, les marchés sont forts là-dessus. Ils voient ça, ils font un petit trade, puis ils accrochent tout ça, puis après ça, le stock redécolle. Donc, il y a des pattes comme ça, regarde, il y en a une ici avant sa reprise. Il y en a une autre ici avant sa reprise. Il y en a un autre là avant sa reprise. OK? Donc, ça, là, ça arrive le trois quarts du temps dans les creux. Là. Et puis, c'est des belles arnaques. Il n'y aurait pas assez de place dans les prisons pour mettre tout le monde qui font des affaires croches sur le marché boursier. Ça, c'est clair. Donc, le prochain point d'entrée est là. Puis, il faut avoir pris des profits bien avant d'atteindre le sommet. Parce que le point d'entrée, il est là, là, qui est en train de décoller, là, 5,30. Le point de sortie, il est 5,23. Ça veut dire que 5,37, c'est le point de profit. OVV, il a viré de bord. Qu'est-ce qu'ils font nos marchés? Bon, on arrive à un point, à une intersection, ici sur le SPY. Ça va être la même chose sur les autres marchés. Regardez, on est remonté à la résistance bien importante. Qui est là, sur tous les marchés. Là,
Donc là, la correction de ce matin serait inversée si le DAR a décollé à 24,570. Pour l'instant, ça ne passe pas. OK, il est rendu 13h03. OK, c'est terminé pour le show d'aujourd'hui. On va... Ben là, pour l'instant, en tout cas, on est en pause. Là. Moi, je dirais que le marché est quand même en pause. On est toujours dans la formation neutre. Puis ce qu'on attend, là, c'est un vrai décollage au-dessus de la formation neutre qu'on a là. Le reste, pour Nasdaq, ben, c'est tout le GAFAM puis ces affaires-là qui bougent, qui sont... c'est pas ici. Attends un peu. Ah, je les ai fermés. OK. Ferme ça. Ferme ça. Puis on ouvre ça. Fait que sont plus toutes pareilles, là. Sont un petit peu disparates. Les plus solides qui tiennent à leur top, c'est Amazon, c'est Google, c'est Apple. Mais ils sont tous pas mal en plafonnement, là. Les stocks, mais définitivement, c'est Facebook qui a été le champion, puis Intel dans le graphique quotidien. Là, c'est les seuls qui sont vraiment en cycle haussier, mais Facebook est rendu à son haut ever. Là. OK, je ne sais bien pas comment plus loin ça peut aller encore après ça. Je pense transiger FBN en suivant les marchés, c'est plus facile que les actions. FBN, qu'est-ce que c'est? Ah, des FNB, vous voulez dire. Les FBN, c'est les FNB, pas FBN. Les fonds négociés en bourse, que ça veut dire. Oui, quand le marché fait des mouvements, c'est clair, c'est plus facile. Novavax, on l'a fait encore ce matin. Oups, tiens, le DAR qui s'en revient vraiment rapidement à la baisse. Là. Novavax, wow! OK, il a décollé pendant qu'on faisait, qu'on était ailleurs, que j'étais ailleurs. Tiens, je vais le mettre en minute parce qu'on a besoin de voir tout le mouvement, là. Donc, eh bien oui, Novavax qui est venu faire un décollage là, mais au préalable, il fallait vraiment arranger ce volume-là ici qui est bien trop gros. Donc, le premier mouvement s'est fait sur un volume. Le mouvement était là à 52, il est rendu à 53, puis il a donné encore un autre mouvement à 52,75. Puis là, le titre est encore en hausse, donc il faut le suivre à très, très proche. J'espère que vous êtes rentré dedans, que vous attendiez pas après moi, là, parce que le signal, il a été vraiment clair. Donc, point d'entrée, point de sortie, point de prise de profit. Point d'entrée, point de sortie, point de prise de profit. OK? Puis là, bien, c'est point d'entrée, point de sortie, prise de profit à 53,75. Il y a 40 cents ici, OK? Donc, 53,35 à 53,75, c'est la place pour prendre des profits. OK, je vous laisse là-dessus, tout le monde. Je retourne sur gourou.tv. Là, il est 13h. Bon, je vais manger un peu, prendre un petit break. Vers 14h, 13h45, 14h, je vais être de retour sur gourou.tv pour le reste de la journée. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Passez une excellente fin de journée, une excellente semaine. Au revoir.